Good morgen, allez Yiden, l'étude sera aujourd'hui le Nishamat Chayester Bat Myriam, ainsi que les Refouat Olivier, Yisra Nishamat Ben Chayester, Khamshat Myriam Bat Rosgana, et Bienmin Ben Chibiba. Betor, She'ar, Chol Yisrael, si vous savez aussi de nous prochaine étude de Misha, connecté à la 5e minute éternelle, nous étudions Maserhet et Rouvin, Perek Bet Mishnah, Hey, Ve'od Amar Rabbi Yehuda Ben Baba, Agina, Va'akarpef, Shen Shivim Mama Veshiraim, Al Shivim Mama Veshiraim, Mukefet Gader Gavoa Asarat Fachim, Metatelin betocho bilvad sheyeba shomira o bet dira. O sheteis mocha lair. Rabbi Yehuda omer, afilu en ba elabor veshiach o meara, metatelin betocha. Rabbi Akiva omer, afilu en ba achat mikol elu metatelin betocha o bilvad sheyeba shivim mama veshiraim. Al shivim mama veshiraim. Rabbi Eliezer omer, im haita orka yeter al rochba, afilu ama achat en metatelin betocha. Rabbi Yossi Omer, Afilu Orka, Pishneim Berochba, Metal Telin Betocha. On a une Mishnah relativement longue avec 5 avis sur une question, mais en fait, non, il y a deux questions et deux sujets autour du même thème qui est le Karpef. Les 3 premiers avis et les deux derniers, c'est encore une petite finesse entre les deux cas. Il y aura même un 6e avis, ce sera le début de la prochaine Mishnah. Pour le moment, on va mettre le focus sur l'histoire du Karpef. Karpaf ou Gina. Qu'on avait évoqué dans la Mishnah Gimel. A savoir, de manière générale, l'interdit de porter à Shabbat, bien sûr, on connaît déjà la règle, un Reshut Arabim, c'est une voie publique qui est ouverte, qui n'est pas délimitée par aucune limite, peut-être même 600 000 personnes qui doivent passer, et plusieurs conditions pour définir c'est quoi exactement un Reshut Arabim. Un Reshut Ayachid, c'est quelque chose, un endroit délimité par des barrières, d'une hauteur de 10 tfachim au minimum, avec une distance minimale de 4 amas sur 4 tfachim sur 4 tfachim, 40 cm sur 40. Ça peut être un poteau, ça peut être un enclos. Maintenant, Chachamim ont mis plusieurs restrictions sur un enclos. C'est-à-dire, ça suffit pas, ça va pas toujours suffire d'avoir un endroit qui est délimité par des barrières pour définir que c'est un vrai Reshut Ayachid et me permettre de porter franchement. Parce qu'imaginez par exemple un enclos où on ne ressent pas du tout qu'on est dans un domaine privé, en fait. Alors, Chachamim vont lui mettre certaines limites. C'est un peu le principe général du Karpef qu'il va y avoir dans notre Mishnah. À savoir, un enclos. Chachamim ont dit, pour que ce soit un Reshut Ayachid, un vrai Reshut Ayachid où tu peux porter aisément à l'intérieur, tranquillement, sans aucune restriction, il faut que ce soit un Reshut Ayachid qui soit habité. Maintenant, habité, je ne t'ai pas demandé de construire forcément une maison. Habiter, c'est avoir toute même utilisation d'habitation, même de stockage, de nourriture. Quand tu as besoin, tu vas chercher. Tu vas parfois manger dedans, tu vois les enfants jouer dedans. Tu vas te travailler même dedans, ça peut même être. Mais en tout cas, pas un simple hangar où tu stockes de manière. Où tu stockes et de temps en temps tu viens, tu te ravitailles, tu prends tout et tu le laisses tout seul. Ça, c'est pas bon, d'accord? Malgré tout, quand tu fais cet enclos, donc qui n'est pas un vrai, donc c'est le Karpef et c'est la Guina. La Guina aussi, c'est la même chose, c'est un potager. Tu sèmes dedans, tu ne vas pas te promener dedans parce que tu ne peux pas écraser les pousses. Tu n'as plus rien à faire à l'intérieur. D'accord? C'est spécialement la Guina lorsque tu vas semer dedans des graines. À la différence quand c'est des arbres, où tu peux encore utiliser en dessous, tu peux t'abriter, c'est agréable même. Mais dans une Guina, il n'y a plus rien à faire. Donc tu n'habites pas dedans, tu ne peux même pas marcher dedans, tu ne peux pas rien faire dedans. Alors Guina et Karpef, ils ont le même statut. Que jusqu'à une distance d'un bet sa'ataim qu'on avait évoqué 5000 amas carrés, 50 amas sur 100 amas, on va expliquer longuement dans notre Mishnah comment le calculer exactement. Donc 5000 amas carrés, alors là, tu n'as pas tellement de restrictions. Au-delà, tu ne pourras plus marcher dedans. D'accord? Ça va être sur quasiment tous les avis, sauf le premier avis de la prochaine Mishnah qu'on découvrira à Bezant Hashem au prochain cours, Rabbi Ilai. Mais pour le moment, donc tu es limité à. À un bet sa'ataim, ce qu'on appelle un bet sa'ataim, un endroit où tu peux semer dedans l'équivalent de 2 CA de graines, d'accord? Ils avaient une certaine densité de graines à mettre au mètre carré, donc deux bet sa'ataim. 5000 amas carrés. Maintenant, on va découvrir dans notre Mishnah, alors les 3 premiers avis, ils vont nous dire, ils vont malgré tout, certains vont requérir malgré tout d'avoir une certaine utilisation d'habitation, pas forcément forte, mais un petit quelque chose quand même, il va y avoir 3 avis. Le 3e avis, ça va être Rabbi Akiva, il me dit rien du tout. Même s'il est enfermé, tu stockes dans du bois, dès que tu n'as pas dépassé les limites
d'un Beth Sataim, tu peux l'utiliser, tu peux entrer et marcher comme tu veux dedans, au-delà ce sera interdit. Il va y avoir au-dessus, ce sera le deuxième avis de la Mishnah, ça va être Rabbi Yehuda qui va me dire non mais il faut qu'il y ait quand même un brin d'habitation humaine, au moins un puits dedans pour que de temps en temps tu vas puiser de l'eau pour boire. Et le premier avis qui va me dire qu'il faut encore plus que ça, c'est Rabbi Yehuda ben Bava, il va me dire qu'il faut une utilisation ou qui est concrètement quelqu'un qui dorme dedans, quelqu'un qui dorme à proximité, qui l'utilise de manière normale. Ça va être les trois premiers avis de la Mishnah. On va les lire tout de suite d'ailleurs. La deuxième partie de la Mishnah, on va plus s'intéresser à calculer exactement le Beth Sataim. Comme ce qu'on va le découvrir, pour le moment, on ne va pas trop rentrer dans les détails du calcul qui va déjà être évoqué dans le début de la Mishnah, on expliquera un peu mieux. Je traduis pour le moment. Donc, Ve'odamar Rabbi Yehuda, et encore Rabbi Yehuda ben Bava, il a dit. Encore il a dit, parce que Rabbi Yehuda ben Bava, il avait déjà parlé de la Mishnah précédente, pour me limiter, me dire que si toutefois il y a la voie publique qui traverse les passés Birot, les angles qu'on a mis, eh ben ça annule l'effet des barrières, donc il va falloir faire dévier la voie publique. Il avait donné une chumra, maintenant Ve'odamar Rabbi Yehuda, et encore une autre chumra, il nous enseigne Rabbi Yehuda ben Bava. Agina Vakarpef. La Gina, c'est le potager. Vakarpef est l'enclos de bois, où on stocke le bois. Shehen, Shivim, Amma, Veshiraim, qui sont d'une distance de 70 Amma et des poussières. Al-Shivim, Amma, Veshiraim, sur 70 Amma et des poussières. L'équivalent d'un Beth Sataim, comme on va expliquer après. Eh bien, si c'est Mukefet, Geder, Gavoa, Asad, Fahim, si elle est encerclée d'une barrière qui a une hauteur de 10 Tefar, Metatelin, Betocha, tu auras le droit de porter dedans, ou Bilvan, ma condition. Sheyeh, Ba, Shomira, qui est dedans une chaumière. Chaumière, une petite cabane où dedans le gardien, ça vient du mot chaumère. Le chaumère, il a, lorsqu'il va garder les troupeaux, il ne veut pas se les faire voler, alors il va aller les garder, il va aller dans l'enclos, et il a là-bas une petite chaumière, une petite cabane en paille, et voilà. Et donc, il y a une utilisation, cette fois-ci, d'habitation humaine, ou bien, au bête dira, encore mieux, même une vraie cabane un peu plus solide. Ou bien au pire que cet enclos soit à proximité de la ville, parce que tout ce qui est à proximité de la ville, tu l'utilises fréquemment. Bientôt Soukot, t'as pas de place chez toi pour construire une belle souka, tu vas aller construire une belle souka là-bas. À la mode en ce moment de faire des mariages dans des jardins, alors tu vas pouvoir aller faire un mariage là-dedans, pourquoi pas. D'accord, ça c'est quand c'est à proximité de la ville, mais si c'est en dehors dans les champs, alors là non. Rabbi Yehuda, ça c'est le premier avis donc qui requiert une forte utilisation, malgré tout, même pour porter dans le Beth Sataim, on n'est pas en train de parler. C'est au-delà d'une distance d'une superficie, au-delà de Beth Sataim. Même dans la petite superficie de Beth Sataim, même ça, Rabbi Yehuda ben Bava requiert une utilisation d'habitation forte. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda vient et dit, non, écoute, c'est pas la peine d'abuser, là, de demander de mettre une vraie cabane, c'est un peu trop forcé, mais malgré tout. Même s'il y a dedans même un puits, ou Shiach, littéralement c'est une tranchée, mais c'est ceci pour stocker de l'eau, c'est différentes manières de stocker de l'eau. Ou encore même Mehara, c'est encore. Mehara, littéralement, c'est une grotte, mais là, on ne parle pas de ça d'une grotte. On parle que c'est en fait, c'est aussi un puits de stockage d'eau, mais qui a un couvercle, cette fois-ci un couvercle naturel. C'est fermé. Et donc, boire, c'est une utilisation d'habitation. Donc là, ça suffira. Mais Tatelin, tu pourras porter à l'intérieur de ce Beth Sataim. C'est-à-dire que lui aussi, il requiert que dans le Beth Sataim, qu'il y ait quand même une certaine utilisation d'habitation. C'est pas la peine d'avoir une forte utilisation d'habitation. Entre parenthèses. Soit tu précises, c'est rapporté ici dans Tosot Rebbe Kiveger, c'est Tosot dans la Gemara, qui nous dit que, d'après tous les avis, lorsque tu as une vraie maison où tu habites réellement dedans et tes enfants ils jouent dans la cour, tout ça, là tu es limité par aucune limite. Tel est l'avis de Tosot. Apparemment, le Bartanoï il explique différemment. Je pense que eux, ils interdiraient s'il n'y a pas de. Même s'il y a une habitation, ils limiteraient malgré tout à Beth Sataim par personne. Et je continue la Mishnah maintenant. Par personne, c'est-à-dire s'il y a deux personnes qui habitent dedans, ils ont deux fois Beth Sataim. Chacun a besoin de Beth Sataim. Et troisième avis maintenant, c'est Rabbi Akiva Omer, Afilo Enba Achat Mikol Elo. Rabbi Yehuda dit, Rabbi Akiva, il nous dit, même s'il n'y a rien de tout ça, aucune utilisation, il n'y a pas de chaumière, il n'y a pas de puits, il n'y a rien du tout. Tu sais quoi, il y a un peu vrai potager. Malgré tout, Metatelin Betocha, tu auras le droit de porter dedans. Mais il y a une seule condition, par contre, c'est que tu te limites aux mesures qu'on t'a données. À condition uniquement qu'il y ait 70 amas et des poussières sur 70 amas et des poussières. Là, on va commencer à mettre le focus un petit peu sur les chiffres. Je vous ai dit, le Beth Sataim, c'est déduit que c'est un vrai Khatser, le Khatser Mishkan, et le Beth Sataim, il fait 5000 amas carrés, parce qu'il est 50 amas sur 100 amas. Ok ? Racine de 5000 amas, ça fait l'équivalent de 70,71 mètres, amas. 70-71. Lorsque la Mishnah me dit 70 amas
Veshiraim et des poussières. C'est facile de rapport ça. L'intention, elle est de dire 3 cinquièmes uniquement. Donc 70,6. 70,6 au carré, ça fait 4984,36. Donc on a manqué encore quelques 15 amas et des poussières. 15 amas et 66. On a perdu un petit peu au change, d'accord. C'est en fait la discussion qu'il y a entre Rabbi Akiva et le début de la Mishnah, que Rabbi Akiva limite à 70,6, et l'autre il dit non, tu peux même pousser un petit peu plus sur les 70,71. Voilà pour les mesures générales. Maintenant, on va découvrir une marloquette assez intéressante, surtout de la manière dont le Bartanoir l'explique. N'oubliez pas, le Chatzar Mishkan, c'est un rectangle. Ce 50 sur 100. Lorsqu'on veut transformer ça en carré, donc on fait 50 fois 100, ça fait 5000, et racine de 5000, ça fait 70 à 71 sur 70 à 71. Viens Rabbi Eliezer et me dit attention. Rabbi Eliezer Omer, Imaita Orka Yater al-Rochba, Afilu Ama Achat. Rabbi Eliezer me dit, s'il y avait sa longueur qui était plus que sa largeur, donc en fait c'était plus un carré, c'était un rectangle, eh bien, en metatelen betocha, c'est fini, tu ne pourras plus porter à l'intérieur. Le Bartanoa me dit qu'en fait, tu es limité à 70 amas et quelques, sur 70 amas et quelques, et si tu rallonges d'un côté, même si tu réduis de l'autre côté, donc en superficie, tu restes encore inférieur aux 5000 amas carrés. Malgré tout, Rabbi Eliezer interdit de porter dedans. Parce qu'on est avec des barrières particulières, parce que tu encercles quelque chose qui n'est pas une vraie habitation, Rabbi Eliezer vient et met une grande restriction et te dit, il faut que ça aille malgré tout que tu ne dépasses pas les 70 amas. Sur ça, Rabbi Yossi Omer, non, a fait le orka pishnaim berorba, même si la longueur elle est deux fois plus que la largeur, metatele metocha, on aura le droit de porter dedans. Parce qu'en fait, selon Rabbi Yossi, tu vas selon la superficie uniquement, d'autant plus qu'au Beit HaMikdash, c'était concrètement comme ça, que c'était 50 sur 100, donc il n'y a pas de raison de limiter. Comme ça, le Bar Tanoura rapporte. En réalité, l'Agma propose cette option, mais la réfute. Et la conclusion de l'Agma, elle est qu'en réalité, tous les deux sont d'accord qu'en fait, dans les deux cas, tu pourras porter, même si c'est un carré, ou même si c'est encore plus. La seule question, elle est quelqu'un qui veut juste faire un petit enclos. Comment lui conseiller, comme ça l'Agma explique, comment lui conseiller de le construire? Sur ça, Rabbi Eliezer, il nous dit non. A priori, fais-le en forme de carré, et sur ça, Rabbi aussi dira non, fais-le en forme de rectangle, 50 amas sur 100. C'est la simple petite marque locale qui est entre les deux, comme c'est expliqué dans la Gemara, cette fois-ci, plus dans le Bar Tanoura. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv Salam.